5 jours de salon. Ingénieur du son en passant à électricien. Un circuit d'essai de près d'un kilomètre. On a un cirque. Christine Michel Abar, chargée de production technique sur la foire. Et Marianne Leporte, chargée de production également. Cette année, la foire va se recentrer. On va réinvestir l'arrière des halls 1, 2, 3, 4. Et du coup, on vous accueillera sur 5 jours de salon, sur près de 42 500 m² d'exposition, pour retrouver plus de 300 exposants. Pour monter tout, la foire, il faut une centaine de personnes en montage. Et ça représente à peu près 60 entreprises différentes sur site et en dehors des sites. Ça va de métiers comme ingénieur du son en passant à électricien, tapissier, monteur TCS, attaché de presse. Et acrobate. Et au sein d'Exponantes, on est près de 30 personnes à travailler depuis plusieurs mois pour vous accueillir. Qu'on a une grosse équipe sur site, comme je disais tout à l'heure. Sur 3 jours, on a un montage, ça va représenter plusieurs chiffres. On va avoir 2,5 km de câbles de sonorisation pour le son des terrasses. On va avoir 2 km de cordes pour tracer les terrasses, les emplacements des exposants. On aura également une cinquantaine de tentes lestées pour les stands en extérieur. Ça représente une trentaine de gardiens, soit près de 2400 heures de gardiennage pendant le montage, le salon et le démontage. On a un cirque avec sa flotte de véhicules, ça représente 4 semis. Et sur l'ensemble du site, avec tout le matériel, on va avoir à peu près 16 semi-remorques. Le cirque et le chapiteau va faire 26 mètres par 20 et 10 mètres de haut. Du coup, il y aura plein d'animations pour vous accueillir et notamment le festival Vélo-Vélo qui se tiendra le week-end de la foire. Il y aura un circuit d'essai de près d'un kilomètre, par exemple, pour tester les nouveaux vélos. Vous aurez également une dizaine de restaurants sur la foire pour vous restaurer. Et on a un gros village dédié au sport. Ça représente 4100 m² en intérieur, en extérieur. Et franchement, rien que pour ça, il faut venir à la foire.